Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Isekai Feast Tale of Recipes qui vient de sortir sur iOS et Android. C'est un nouveau jeu, histoire de faire simple, c'est un AFK game, voilà, où vous allez combattre avec vos unités. Là je vous lance un combat rapidement histoire que vous voyez le gameplay. D'ailleurs c'est très marrant parce que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Je vous ai fait une vidéo sur un autre AFK game qui était Lost Survivor. Et en fait, j'ai testé les deux à la suite, parce qu'ils sont sortis le lendemain l'un et l'autre. Et c'est exactement le même contenu, mais c'est pas du tout le même éditeur, c'est pas le même pays qui fait les deux jeux. Et j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est marrant parce que c'est exactement le même contenu. Donc si vous avez vu la vidéo d'hier, vous avez déjà à moitié vu celle-là. Le jeu est plutôt simple, vous avez des personnages, vous allez les aligner pour faire une compo et le but ça va être de détruire les ennemis. Donc là je suis un peu dans le mode histoire, j'ai essayé d'avancer parce qu'en fait je débloquais un 5 étoiles. Le jeu m'a l'air généreux par contre, le jeu m'a l'air plus généreux que celui d'hier parce que là j'ai déjà 3 5 étoiles qui sont alignées, j'en ai d'autres que j'ai reçues qu'on va aller ouvrir, qu'on va aller chercher. On va juste arrêter le combat. J'ai des petites récompenses à récupérer. J'ai pas encore tout débloqué évidemment au niveau du contenu et tout. C'est quoi ça, Spirit Tales? C'est encore des récompenses? D'accord, c'est encore d'autres trucs avec d'autres récompenses. On va juste prendre ce qu'on peut prendre et se barrer de là. Est-ce que je peux juste envoyer... Ah, faut que je sois niveau 55 pour le mode auto. Vite chiant votre histoire. Juste prendre les trucs avec les gemmes. Ah non, mais ça m'intéresse aussi les cartes. Je peux pas. Je peux. Je peux pas. Je peux pas. On va se casser. On va se casser, ça va vite me saouler. Alors. Est-ce que j'ai pas... Ah, je peux invoquer un 4 étoiles. Trop bien. Ouais, génial. Au niveau des héros. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que j'aille invoquer. Alors, attendez. Alors, il y a des points rouges partout. Parce que je suis en train de faire le scénario. À un moment, je suis rentré sur l'écran d'accueil. Et il y a des points rouges partout. Et j'ai eu la flemme de cliquer sur tout. Sur quoi est-ce que je peux... Je peux faire un x10 Ouais, vas-y, claque-moi des gemmes. Claque-moi des gemmes, on va voir si on a une dinguerie. Si on a un petit 5 étoiles ou pas, c'est du orange. Et ben on a un 5 étoiles, on a le Mexican Chili Areo, celui que j'avais déjà, je crois, donc c'est un doublon. Nice. C'est trop content, j'avais 3 5 étoiles, et dont un qui est un doublon. Mais est-ce que ça me sert, Star Up? Ah, il en faut 4. D'accord. Pas tout de suite, du coup. Pas tout de suite, mais... Je peux lui augmenter son level, déjà. On va tout augmenter. On va pas tout augmenter, parce que je vais pas tout augmenter. Ah oui, c'est vrai qu'il a commencé à faire la tour. Bon, truc classique, hein, dans ce genre de jeu, en général, le gameplay est le même partout. Et là, du coup, il y a une tour, bah, plus vous montez, plus c'est dur, plus il y a des tâches, et plus il faut avancer, et meilleur... sont les récompenses. Et je crois que j'allais dire pas le choix, mais si, t'as toujours le choix de le faire. Mais là, il y a beaucoup de récompenses, il me semble, dans la tour. Donc, faut vraiment pas passer à côté. Ah oui, il y a un truc giga bizarre, je sais pas si vous allez l'entendre, mais le x2 dans le jeu. x2, absolument tout. Donc les voix, les bruitages, les bruits, les effets. Et il y a des moments où les voix se superposent de personnages. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Il y a le PVP, d'ailleurs, je l'ai débloqué, j'en ai pas encore fait. Je vais attaquer le mec qui est plus faible en trophée. Ce qui me paraît être une bonne option, ce qu'on vient de gagner. Est-ce que je peux attaquer quelqu'un qui est un peu moins faible? Genre lui. Ah, le bouton skip, il fait quoi? Ah, faut que je fasse 10 matchs par saison. Ah, il y a des saisons. Okay. Ah, mais je... Non, on va partir. Comment on part? Je suis obligé de me regarder me faire humilier, là. J'ai pas le choix. Ceci dit, il y a peut-être un monde. Parce que le perso qui est niveau 100 là, il est vraiment trop fort. Et bah, ça me permet pas de. Il va pas carry. Hein. Là, je pensais qu'il allait carry, mais non. On va se faire arracher. On va se faire arracher, on a pas réussi à tuer un seul perso. C'est un petit peu dommage. Eh, hey, on a tué un perso, hein. Ah bah, ouais. Je pense pas que ça suffira parce qu'il peut pas se heal lui. Notre healer tank et tout est déjà KO, hein, donc on va juste le regarder se faire tuer, malheureusement. Mais il me semble que j'avais un autre 5 étoiles à récupérer, et je sais plus où. Hop, aventure, peut-être là-dedans, non? C'était pas là-dedans. Reward, claim, aventure boss, first clear, AFK, bah, attendez, mais on va juste aller combattre. Ah, mais ils sont tous niveau... Non mais tous niveau 30 ça va le faire.
Je pense. Alors c'est vrai que le design des persos, un peu classique, je vous avoue. Mais c'est vrai que le jeu là que je vous ai présenté hier, où la DA était pas du tout la même, c'est vrai que quand t'as un parti pris qui est assez tranchant au niveau du character design des personnages et tout, et où tu sors un peu de ce qui est classique, bah c'est soit les gens adorent vraiment, soit ça peut être un énorme flop. Et c'est vrai qu'en général les jeux comme ça, la prise de risque en termes de pas de graphique et tout est moins grande. Donc plus de gens qui peuvent facilement accrocher, j'ai envie de dire. Mais là on va passer, je pense. Et tant mieux, parce que si c'est la meilleure mes récompenses AFK, je suis obligé de taper les boss. Mais je peux en même temps avancer dans le scénario au cas où j'arrive pas à taper les boss. De ce que je comprends. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Vas-y, merci. Nickel. Est-ce que là je peux combattre? On va faire autre chose en attendant. Je vais pouvoir améliorer d'autres trucs. Récupérer, challenge arena. Faut que je refasse un troisième match. On va prendre quelqu'un de faible. Attends, je peux refresh. Refresh, ça met vraiment des gens beaucoup moins forts. Pas du tout. Pas du tout. Le plus faible, il est quand même niveau 31. Hein. Ok. Non, mais là, on gagne par contre. Là, si on gagne pas, je désinstalle le jeu. La vidéo ne sort même pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Ah, vas-y, nickel, on a passé un étage. Nickel, nickel. Ah, mais même pendant le PVP, je peux aller faire autre chose. Trop bien. Ah, mais je peux améliorer mes persos, mais du coup, ça me le compte pas pour mon match en cours, quoi, j'imagine. C'est trop vieux. T'es en train de perdre? Attends, comment je reviens mon match? Ah, c'est bon. T'es en train de perdre, t'améliores tes persos, tu reviens. Hop. Ok, ça c'est fait. Alors, je peux réaméliorer mon truc là. Merci, merci. Refresh Mystic Store. Free refresh. Vas-y, c'est bon, j'arrête de faire ça. J'ai la tour, le cinquième étage. Next. Ça c'est bien qu'ils mettent ça de plus en plus, où tu peux lancer des combats et en même temps tu peux aller faire autre chose, tu vas améliorer tes persos, récupérer, genre là cliquer sur un point rouge, voilà, j'ai gagné 10 diamants. Ah, le jeu est très généreux, hein. 10 diamants c'est fou, énorme. Qu'est-ce qu'on ferait pas aujourd'hui avec 10 diamants? Eh mais il y a 10 multi, bah nickel. Enfin 10 multi, non, 10 invoques, 2 multi, 1 multi, 2, on va invoquer, est-ce qu'on va encore réavoir du orange? Ah mais ça te coupe même pendant le... Eh, nouveau perso, Tom Yun Annabelle. Ah, on a eu 2-5 étoiles. Pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Encore du orange. Oh. Ah non, bah, le taux... Attends, c'est quoi le taux de drop là-dessus? C'est moi qui ai beaucoup de chance ou... 0,42. C'est moi qui ai beaucoup de chance en fait là. Ah non, mais il y a du 0,5 aussi. Next. Ok, c'est moi qui ai de la chance, mais en même temps le jeu a l'air généreux. J'aime bien le design, hein. Casse-toi de là. J'aime bien le design. Bon, il y a 2-3 personnages où ils ont un peu abusé les attributs, mais en même temps c'est pas trop non plus comparé à d'habitude. C'est quoi le petit plus en haut? Ah, j'ai une heure d'AFK ring. Ouais, mais non, mais on va pas le faire parce que plus je monte et plus il y aura de meilleures récompenses en fait. Ah oui, c'est ça, attendez, je pouvais choisir un perso là-dedans. On va prendre lui, yes. J'ai 15 ans pour confirmer. Merci. Hop. Nickel, on a récupéré le perso. Hop. Attendez. Next floor. Create character 2 days for free claim. Hein? Attendez, 2 secondes. On va tout ouvrir. Ok, j'ai pas compris ce que je vais faire là. Et si je fais claim sur L? Putain, sélection is unable to be obtained. Vas-y, confirme. Attends, mais je comprends rien parce qu'en même temps t'as les combats qui se passent. Mais c'est quoi cette merde? Attends, mais je les ai vraiment gratos là, les héros ou... Je ne comprends rien à ce qui se passe. Depuis tout à l'heure on fait qu'invoquer. Ah mais c'est peut-être comme j'ai avancé dans l'aventure, c'est normal d'avoir autant de trucs gratos. Attends, arrête toi les combats là. Bon, arrêtez les combats 2 secondes. Mais pourquoi j'ai 15 000 combats en cours? C'est quoi cette merde? Facilement, the side of creation.
Ah, donc ça, je l'aurai demain. Create character 5 day free to claim. Bah attends, mais déjà, il n'y a pas le français, et même l'anglais, il est bancal, là. Même le l'anglais, il est bancal. Je sais pas quoi améliorer. Le design du perso, incroyable. Je vais faire adjust sign up, on va faire déploiement auto. Et on va juste hop faire comme ça. Et on va pas s'emmerder. Bah écoutez, on a fait le tour du jeu. Bah en vrai il y a d'autres modes de jeu en mode PV ou quoi, mais où c'est pas spécialement giga intéressant. Mais en fait de toute façon, le gameplay est toujours le même comme vous avez pu le voir, soit en PvP ou en PvE. On a une line-up, on bute des mobs adverses et voilà. Et je suis perdu dans les récompenses du jeu, je pense que je vais devoir me poser et tout checker ce que je n'avais pas fait jusque là, que j'avais juste rush histoire de voir ce que je veux aller. Ça a l'air ok. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère également que le jeu vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, salut, bye bye.